précieux pour moi, précieux pour moi. Jesus. Jesus. Je m'approche devant ta face, le cœur rempli d'amour pour toi. Si je vis, ce n'est que par ta grâce et ton grand amour pour moi. Je n'oublierai pas ce que tu y as fait, bien avant que je ne te connaisse. Tes yeux d'amour me regardaient et conduisait chacun de mes pas. Plusieurs fois tu m'as protégé et m'as épargné du danger. Que puis-je te donner en retour, Yahweh? Ô Seigneur Jésus, je ne me glorifierai qu'en toi, le pilier qui soutient ma vie, ma force au milieu de mes faiblesses, celui que j'aime plus que tout. Je ne me glorifierai qu'en toi, le pilier qui soutient ma vie, ma force au milieu de mes faiblesses. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Aujourd'hui, nous allons prier Dieu. Je vous salue tous. Je vais justement qu'on fasse quelque chose avant de commencer notre prière. Donc, la chose que nous allons faire, c'est juste partager le vidéo live. Partager le vidéo live massivement, partager ce vidéo live avec les amis et vous allez sauver quelqu'un qui a besoin de la prière. Et nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu. Je crois que dans quelques minutes, nous allons commencer notre programme de minuit. Alors là, je vous en prie de partager ce vidéo live massivement. Merci. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire. Nous sommes en train de partager. Moi, je suis en train de partager. Partagez avec le frère, réveillez les amis. Dis-leur que c'est l'heure de la prière. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maombi ne tombera jamais. Le Dieu est présent. Nous allons commencer notre prière dans une minute. Partagez ce vidéo live. Partagez ce vidéo live. Dieu va nous faire tellement bien. Jésus est le pilier qui soutient notre vie. Jésus est le pilier qui soutient notre vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci car tu es merveilleux, merci le bon Dieu. Jésus le pilier qui soutient notre vie. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Jésus le pilier qui soutient notre vie. Gloire à Jésus. Il est Dieu, il est présent, il est avec nous. Gloire à Jésus, gloire. Il est Dieu, il est présent, il nous aime tellement beaucoup, il est notre Dieu. Gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire. Ok, oui, bien-aimé dans le Seigneur, partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Gloire à Jésus. Nous allons commencer notre prière. Ok, gloire. Ok, nous allons commencer notre prière car il est l'heure. Père Saint, nous sommes reconnaissants infiniment encore. Dans ta présence, nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur. Car tu es Dieu, il n'y a personne qui peut se comparer avec toi. Père Saint, nous venons auprès de toi comme tu nous as recommandé de prier sans cesse. Et tu nous as dit, Seigneur, si tu as des problèmes, tu as qu'à prier, tel que Jacques 5, 13 nous dit. Seigneur, nous sommes venus en tant que le bulldozer ce matin
pour abandonner cette journée d'aujourd'hui entre tes mains. C'est pour cela, notre Dieu, visite-nous dans nos moments de prière par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu commences à dire à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dis à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour ta famille. Dis à Dieu merci pour ce bienfait. Nous prions par le nom de Jésus. Alléluia. Commence à exalter le nom de Dieu. Commence à exalter le nom de Jaïre. Commence à exalter le nom de Elolam. Commence à exalter le nom de Mikadesh. Élève le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu dans ta maison, dans ta famille. Élève le nom de Dieu. Dis à Dieu, je n'ai que toi. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier de ma vie. Exalte le nom de Dieu. Dis à Dieu merci pour tout bienfait. Brazata magadi, répété. Dis à Dieu merci. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Je te bénis, Seigneur. Sans toi, je ne serai pas à résister devant ces pandémiques de COVID. Sans toi, Seigneur, avec tous tes problèmes qui sont en train d'arroger le monde. Sans toi, qui suis-je? Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi t'exalter. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, bien-aimé. Célèbre Jésus. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour la bonne santé qu'il nous a accordée. Dis à Dieu merci. Il nous a donné la paix. Dis à Dieu merci. Il nous a donné la force. Dis à Dieu merci. Ne sois pas ingrat pour tout ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Personne, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire. Oh bien-aimé, la Bible déclare chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté dans notre vie. Cela, ça veut dire, nous, ce n'est pas par notre force, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par sa bonté que Dieu est en train de nous accorder la force d'être encore debout. Sois reconnaissant envers ce Dieu. Exalte le nom de Dieu. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu dis à Dieu merci par des choses que tu n'as pas encore palpées. Dis à Dieu merci par des choses que tu n'as pas encore vues. Commence à prier avec la foi. Dis à Dieu merci par la foi. Dis à Dieu merci par la foi. Dis à Dieu merci par la foi. Par des choses que toi tu as besoin. Dis à Dieu merci par des choses que tu es en train de chercher. Mais tu n'as pas encore palpé cela. Mais tu es en train de croire que Dieu t'a donné. Sois confiant en Dieu. Commence à dire à Dieu merci. Élève le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu. Présata magadara baba. Rokobo seke. Yemandara baskato. Riba de seke. Shonda mandara baske. Rokobo soko. Sois reconnaissant envers ce Dieu. Sois reconnaissant envers ce Dieu. Sois reconnaissant envers ce Dieu. Commence à exalter. Commence à exalter. Commence à exalter. Commence à exalter. Exalte Dieu. Exalte Dieu de tout ton cœur. Exalte Dieu de tout ton cœur. Dis à Dieu merci pour tout ce que Dieu a fait. Pour de tout ce que Dieu a fait. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Tu n'as pas encore palpé. Tel que la Bible me dit. La foi, c'est la démonstration de choses que nous ne sommes pas en train de voir. Mais nous croyons. C'est ça la ferme assurance. Tu t'assures par des choses que tu n'as pas vues. Mais tu crois que Dieu va te faire donner cela. Je veux que, bien-aimé, tu pries. Exalte le nom de Dieu. Bénis Dieu par des choses que tu n'as pas vues. Bénis Dieu par des choses que tu n'as pas palpées. Bénis Dieu par des choses que tu n'as pas encore. Tu n'as pas encore l'argent. Tu n'as pas encore les enfants. Mais tu crois que Dieu te l'a donné. Tu n'as pas encore le document. Mais tu crois Dieu t'a donné. Tu n'as pas encore un mari. Mais tu crois Dieu t'a donné.
J'ai besoin de prier avec les gens qui croient que Dieu les a donnés. J'ai besoin de prier avec les gens qui croient à des choses telles que la Bible déclare. Si tu as la foi, tu dis à cette montagne qu'est ici, ôte-toi dans la mer. Cette montagne-là, ça va sauter. Je dis à quelqu'un de prier avec la foi, d'exalter Dieu dans la foi, de dire à Dieu merci, même si tu n'as pas eu. La Bible déclare, heureux l'homme qui n'a pas vu, mais il a cru. Je prie avec quelqu'un, malgré les épreuves, malgré les situations, malgré des problèmes, mais tu es en train de croire. Ekabosata, comme Habakkuk, malgré les épreuves, malgré les situations, malgré les problèmes, Habakkuk, il est en train de croire que Dieu, je reste à la poste jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. Je suis en train de prier avec quelqu'un qui est à la poste, qui croit que Dieu va les visiter, peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe les années qui passent, peu importe les amis sont en train de se marier, peu importe les amis sont en train d'avancer, même les petites sœurs, même les petits frères sont en train d'avancer, mais toi tu es en train de croire, tu es en train de croire que Dieu est avec toi. Je veux que quelqu'un qui remercie Dieu par des choses invisibles. Je veux que quelqu'un qui célèbre le nom de Dieu par des choses invisibles. La Bible déclare, notre Dieu appelle les choses invisibles à l'existence. Je veux que quelqu'un qui prie dans la foi. La Bible déclare, celui qui adore Dieu doit l'adorer en esprit. Et en vérité, pourquoi quand tu adores Dieu en esprit, les choses que tu es en train d'adorer, ça va se matérialiser tel que la Bible déclare, ta parole est esprit et vie. Quand tu es en train d'adorer Dieu en esprit en vérité, tout ce que tu es en train de demander, Dieu va te l'accorder parce que la Bible dit, pendant que vous priez, toutes choses que vous demanderez, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Je suis en train de prier avec quelqu'un qui croit, qui a la foi, qui est en train de prier. Dieu, visite ma vie. Dieu, visite ma vie. Je suis en train de croire que Dieu est en train de visiter la vie de quelqu'un. Prie bien-aimé, exalte Dieu. Sur tes problèmes, quelles sont tes difficultés? Quels sont les problèmes qui sont en train de te dépasser? La Bible me dit, notre Dieu, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. La Bible déclare, notre Dieu, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est Jésus-Christ. Son nom est tellement au-dessus de tous les noms, bien-aimés. Je veux que tu pries. Présente tes problèmes devant Dieu. Tes problèmes ne sont pas plus que le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tes problèmes. Je veux que tu pries. Présente tes problèmes vers ton Dieu. Dis à Dieu, je suis venu devant toi te présenter mes problèmes. Jéhovah, le Dieu très haut, le Dieu très haut, le Dieu très haut. Voici mes problèmes, voici mes préoccupations, les choses qui sont en train de me faire manquer même l'appétit de manger. Je manque même l'appétit de manger. Je manque même la sommeil. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier qui dise à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi. C'est pour cela, à qui d'autre je peux élever
si ce n'est que toi. J'ai honoré les gens de ce monde. Je n'ai rien eu. J'ai honoré les gens de ce monde. Je n'ai rien eu. Je suis venu élever Jésus. Bien-aimé, honore Jésus. Pendant que tu es en train d'élever Jésus, Jésus est en train de se glorifier. Pendant que Jésus est en train de se glorifier, il va te visiter. Peu importe tes problèmes, peu importe tes situations, David nous a donné cette leçon. Quand David, il est en train d'affronter Goliath, la Bible dit à David, il est avancé devant Goliath. Il a dit à Goliath, toi là, je vais te tuer, je couperai ta tête, je donnerai aux oiseaux du ciel, au nom de Jésus, au nom de Jéhovah, au nom de Sabaoth, au nom de El Elyon, bien-aimé, je veux que tu parles maintenant tes problèmes. Dis à tes problèmes, le Goliath là qui s'est levé devant toi, dis à tes problèmes, je couperai ta tête, je donnerai aux oiseaux du ciel, au nom de Jésus. Exalte maintenant Dieu. Parle à tes problèmes. Je sais pas quels sont tes problèmes. Je sais pas quelles sont tes situations. Mais ce que moi je sais, notre Dieu, il est plus grand que tes problèmes. Je sais pas quelles sont tes inquiétudes. Mais ce que moi je sais, notre Dieu, il est plus grand que tes inquiétudes. Je veux que quelqu'un prie, qui dit à Dieu, voici mes problèmes. N'est-ce pas, la Bible me dit, notre Dieu, tu es tout, est souverainement élevé, que le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Toutes les maladies doivent fléchir, tous les problèmes doivent fléchir, toutes les situations doivent fléchir. Seigneur Jésus, je te présente mes problèmes. Que mes problèmes fléchissent devant toi. Que mes problèmes fléchissent devant toi. J'ai besoin de quelqu'un qui dit à Dieu que mes problèmes fléchissent devant toi. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, ma kambozo lelisanga na ekabosa kabada bada bada bareke bekelego. Dis à Dieu, ce problème qui est en train de me préoccuper, ce problème qui est en train de m'enlever l'appétit, ce problème qui est en train de m'enlever le sommeil, j'ai besoin de dormir, mais j'arrive pas à dormir. Quand je pense à ce problème, ça m'enlève directement le sommeil. Je fais des insomnies, je n'arrive pas à dormir en paix. Seigneur Jésus, que mes problèmes se fléchissent devant toi. Prie bien aimé. Dis à Dieu que tout genou doit fléchir, que tout genou doit fléchir. Signifie toutes les choses qui est en train de déranger ta vie doit fléchir devant le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, élève le nom de Jésus devant tes problèmes, élève le nom de Jésus devant tes difficultés, élève le nom de Jésus devant tes situations. Quelles sont les situations qui sont en train de préoccuper ta maison, tes enfants, ton mari, ta femme? Quel ce problème qui est en train de déranger ta vie? Bien-aimé, prie, dis à Dieu, je n'ai que toi. Comme l'homme de 38 ans de malade, il avait personne pour lui jeter. Quand l'eau était agitée, il a regardé à gauche. Oh, l'eau est agitée, mais qui va me jeter? Qui va me pousser? Qui va me pousser? L'eau est en train d'être agitée. L'ange est descendu. Maintenant, qui va m'aider? Oh, peut-être toi aussi, tu es en train de passer à la même situation. L'eau est en train d'agiter. Tu es en train de voir l'opportunité. Mais tu dis, Seigneur, jusqu'à quand, mon Dieu, mon roi? Jusqu'à quand? Oh my God! Je veux que quelqu'un prie. Élève le nom de Dieu. Dis à Dieu, je t'élève au-dessus de mes problèmes. Je t'élève. Il est le pilier qui soutient nos vies. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, maintenant, nous allons aller demander la grâce de Dieu. La Bible déclare, la grâce de Dieu nous suffit. Je veux que tu demandes la grâce de Dieu. Dis à Dieu, accorde-moi ta grâce. Dis à Dieu, j'ai besoin de vivre ta grâce. Dis à Dieu, j'ai besoin de palper ta grâce. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Je veux que quelqu'un prie qui demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est la suffisance, la faveur imméritée. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Prie au nom de Jésus. Prosamage. Demande la grâce de Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Accorde-moi
Donne-moi ta grâce. La Bible déclare, un jour, Moïse avait besoin de voir Dieu. Pourquoi Moïse a passé beaucoup de temps dans la souffrance? Pourquoi Moïse, il veut garder tout le temps la colonne de nuée, la colonne de feu? Mais une fois, Moïse a dit, Seigneur, maintenant j'ai besoin de voir quelque chose de différent. Peut-être dans ta vie, il n'y a que des choses répétitives. Tu es en train de tourner à rond. Oh mon Dieu! Tu es en train de tourner à rond. Tu cherches d'avancer. 2010, 2011, rien ne marche. Tu tournes toujours à rond. Tu vois là, j'ai avancé. Les amis sont en train d'avancer. Mais toi, tu tournes toujours à rond. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Moïse, il regardait tout le temps la colonne de feu. Il regardait tout le temps la colonne de nuée. Mais la Bible me dit, un jour, Moïse a décidé. Il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, faites-moi voir ta gloire, la gloire de Dieu, et absente toutes tes puissances sataniques. Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde-moi de voir ta gloire. Je suis en train de demander à quelqu'un qui demande la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te permettra d'accéder les lieux où les hommes ne peuvent pas entrer. La grâce de Dieu te permettra d'accéder des portes que les hommes naturels ne peuvent pas accéder. La grâce de Dieu va te permettre de manger avec les grands. La grâce de Dieu va te permettre de partager des idées avec des ministres. La grâce de Dieu va te permettre de dîner avec les rois. Oh, comme Mephibosheth avait trouvé grâce devant les yeux du roi David. Combien de fois Mephibosheth a trouvé la grâce devant le roi? Le roi a annulé sa loi, la loi qu'il avait établie. À cause de la grâce, le roi il a annulé cette loi. Combien plus fort notre Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Regarde ma situation, regarde ma vie, regarde des choses. Des choses ne marchent pas. Je suis toujours en train de tourner à rond. Là, j'ai avancé. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que quelqu'un prie, qui demande la grâce de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, prie, concentre-toi. Demande la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Dis, Seigneur, j'ai besoin de vivre ta grâce. Sans ta grâce, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ta grâce dans mon mariage. J'ai besoin de ta grâce dans ma maison. J'ai besoin de ta grâce dans la vie de mes enfants. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie chrétienne. J'ai besoin de ta grâce. Je veux que quelqu'un prie, qui demande la grâce de Dieu. Dis à Dieu, accorde-moi ta grâce. Prazo koryo kabade bedere bo satabagada na bashende rekete ripato zatamahada na bashende begede dogo. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Faites-moi voir ta gloire. Faites-moi voir ta gloire. Quelqu'un qui trouve grâce devant Dieu, Dieu va le faire couvrir sous sa main. Moïse avait trouvé grâce à Dieu. Dieu, la Bible déclare, personne ne peut voir Dieu et vivre encore. Tellement Moïse avait trouvé grâce devant la face de Dieu. La Bible me dit, Dieu l'a caché sous ses palmes de main afin que Moïse ne puisse pas mourir. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont tes problèmes. Dis à Dieu, Seigneur, ta grâce ne meurt jamais. La grâce de Dieu dans la vie d'une personne ne meurt jamais. Je veux que quelqu'un prie, qui dit à Dieu ça, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Quel est ton statut? Dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce dans mon statut. Je suis dans un pays étranger, je n'ai pas de papiers. Oh, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi les papiers. Je veux que quelqu'un prie, qui dit à Dieu, j'ai besoin de mariage. Je veux que quelqu'un prie, qui dit à Dieu, si je trouve grâce à tes yeux, accorde-moi ta grâce. Mon Dieu, mon roi, guéris mes enfants, visite ma maison. Ah, la grâce de Dieu qui peut faire ça. Une faveur imméritée, là où les hommes n'ont pas immérité, là où les hommes n'ont pas mérité, mais Dieu nous l'accorde comme un don. Oh mon Dieu, mon roi, je veux que quelqu'un prie, qui dit à Dieu, je n'ai personne. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, tu sais, la grâce de Dieu.
peut t'enlever dans un lieu là où les hommes sont en train de parler mal de toi. Mais ces gens-là même, ils vont t'applaudir. Parce que la grâce de Dieu permet que nos ennemis puissent devenir nos fans. La grâce de Dieu permet que les gens qui sont en train de parler mal de nous deviennent nos marchepieds. Je suis en train de prier avec quelqu'un qui est une femme, un homme, un bulldozer, de demander la grâce de Dieu, de dire à Dieu ça, j'ai besoin de ta grâce, accorde-moi ta grâce dans cette terre, dans cette terre, dans cette terre. Sans ta grâce, je peux pas résister, Seigneur. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce est la suffisance de ma vie. Ta grâce est la sécurité de ma vie. Ta grâce est la consolation de ma vie. Bien-aimé, prie, demande la grâce de Dieu dans ta vie. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. My God, praise tamare kebeke yabara. La grâce de Dieu est là. Sa main est en train de toucher. Sa main est en train de toucher. Ta taraka yabaso tamarebo satamaga. Ropa papari kebesete. Je veux que quelqu'un maintenant qui dit à Dieu, Seigneur, visite ma vie. Oh! Dis à Dieu, visite ma vie. Dis à Dieu, visite ma maison. Dis à Dieu, visite mon mariage. Dis à Dieu, visite ma vie. Visite mes enfants. Visite mon travail. Visite mes affaires. Visite mes projets. Je veux que quelqu'un prie comme un homme bidosaire, comme une femme bidosaire, qui dit à Dieu, visite mon travail. Visite ma maison. Visite mon travail. Visite mes enfants. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu de visiter ta vie. Prie au nom de Jésus. Bien aimé, partout où Dieu visite, il laisse les traces. Partout où Dieu visite, il laisse les traces. Je veux que quelqu'un prie qui dit à Dieu, visite ma vie. Je veux que quelqu'un prie qui dit à Dieu, visite ma vie. Je te dis, bien aimé, là où Dieu visite, les choses se transforment. Dis à Dieu, visite ma maison. Dis à Dieu, visite mon mariage. Dis à Dieu, visite ma vie. Je suis dans une terre là où les choses ne s'ouvrent pas facilement. Mais Seigneur, si tu visites, les choses vont s'ouvrir. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, même si à l'au-delà, Dieu est là. Même si à l'au-delà, même si à l'au-delà, à la maison de King Chen, Dieu est là. Dieu peut ouvrir une fenêtre là où il n'y a pas le lieu pour ouvrir les fenêtres. Notre Dieu, c'est un catalyseur. Il effraie le chemin là où il n'y a pas le chemin. Tu n'as pas lu dans la Bible, la mer est rouge, n'avait pas un chemin, mais Dieu a visité les enfants d'Israël. Malgré tout, les soldats de Pharaon, ils étaient en train de venir avec des chars en troupe pour chercher de tuer les enfants d'Israël. La Bible déclare que Dieu a fait un chemin au milieu de l'eau. La mer est rouge, mais c'était pas une rivière, c'était pas les lots de Maloukou, c'était pas les l'eau petite, mais c'était la mer rouge, là où il y a des arétins, là où il y a des baleines. Dieu a effrayé un chemin. Je dis à quelqu'un, dis à Dieu, visite-moi. Quand Dieu va te visiter, même si là où il n'y a pas de chemin, Dieu va tracer des chemins. Quand Dieu va te visiter, là où les gens ont échoué, toi tu ne vas pas échouer, parce que l'échec ne sera pas ton cas. D'ailleurs, tu n'as pas le rendez-vous avec l'échec. D'ailleurs, l'échec ne connaît pas l'adresse de ta maison, parce que ta maison est visitée par le roi des rois. Je veux que quelqu'un prie qui dit à Dieu, visite ma maison, visite mes enfants, visite ma famille, visite mon mariage, visite mon travail. Oh, on est dans un pays là où les gens disent, pour réussir c'est difficile. Mais je dis à quelqu'un, si Dieu te visite, si Dieu te visite, remanda maseke yamaga rokobo sakamanda raba. Je dis à quelqu'un, si Dieu te visite, ah, ça sera différent. Ça sera différent. Les gens de ce monde peuvent parler, mais quand Dieu visite, les choses se transforment. Les gens peuvent parler, les gens peuvent dire, ce pays-ci, les choses ne sont pas faciles, les choses ne s'ouvrent pas. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu visite, les choses s'ouvrent. Je veux que prie, qui dit à Dieu, Seigneur, visite-moi, visite ma vie, visite ma maison, visite mon travail. On est dans un pays là où les gens pour réussir n'est pas facile, mais avec la visitation de Dieu, tu vas recevoir. Bien-aimé, je dis, avec la visitation de Dieu, tu vas recevoir. La Bible me dit, un jour une femme, elle était au milieu du désert, mais avec un bébé Ismaël, elle a prié à Dieu.
Elle a crié à Dieu. La Bible me dit, Dieu avait visité au milieu du désert. Dieu a fait sortir de l'eau. Bien-aimé, quand Dieu visite, il n'y a pas les impossibilités. Quand Dieu visite, là où les hommes disent que c'est impossible, à Dieu rien n'est impossible. L'impossibilité, c'est seulement pour les hommes. À Dieu rien n'est impossible. Je veux que quelqu'un prie qui dit à Dieu, visite ma vie, visite mon travail, visite mon ministère, visite ma maison, visite ma femme, visite mon mari, visite mes enfants. Je veux que quelqu'un qui demande à Dieu de le visiter. Bien aimé, la Bible me dit, Abraham et Sarah, ils ont eu la promesse de Dieu. Ça dirait longtemps, la promesse qu'ils avaient reçue, ça avait duré longtemps. Mais un jour, Abraham avait reçu la visitation des trois hommes. Ah, je sais pas, est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Abraham avait reçu la visitation. Quand Abraham a reçu la visitation, les anges ont dit à Sarah, à cette époque-ci, l'année qui vient, tu enfanteras un fils. Je dis à quelqu'un, peu importe tes problèmes, peu importe tes situations, quand Dieu te visite, quand Dieu va te visiter, les choses vont changer. Je dis à quelqu'un, peu importe, les gens peuvent parler à propos de ta vie, peu importe, la famille peut parler de ta vie, peu importe, les amis peuvent parler de ta vie, peu importe, les gens peuvent se lever. Je sais pas s'ils seront à combien. My God, my God, my God. Le Saint-Esprit me dit que nous prions la visitation de Dieu. Dis à Dieu, visite-moi. Oh, bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Le prophète Élie, il est en train de fuir Akab et Jézabel. Il est en train de fuir Akab et Jézabel. Beaucoup de jours, le prophète, il a cherché des grottes pour se réfugier. Mais un jour, le prophète a dit, Dieu, visite-moi. Le prophète est descendu à la montagne du Carmel. Il les a dit, on lancera un défi entre les dieux de Baal et le dieu d'Israël. Celui qui fera descendre le feu, celui sera le dieu que nous allons servir. Bien-aimé, la Bible déclare, au milieu des gens, les prophètes à Baal, ils étaient nombrés. Bien-aimé, pour te dire, le nombre de tes adversaires, cela, ça ne peut pas t'influencer. Les années de problèmes que tu es en train de passer, cela ne peut pas t'influencer. La hauteur de ta montagne, cela, ça ne peut pas t'influencer. La taille de Goliath et de ta vie, cela, ça ne peut pas t'influencer. La Bible me dit, les prophètes à Tarsis étaient à 400, les prophètes à Baal à 450. Mais la Bible déclare, prophète Élie, il était lui seul. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu visite la vie d'une personne, ça ne dépend pas la quantité, ça ne dépend pas le nombre, ça dépend seulement d'une personne. Cette personne-là, quand il te visite, le monde devra comprendre que tu n'es pas seul, que tu vis avec un Dieu. Bien-aimé, dis à Dieu, visite-moi. Notre sujet est de dire à Dieu, visite-moi. Oh my God. Et ces jours-là, quand le prophète Élie, il s'est levé, il a dit, Seigneur, montre à ces hommes que réellement tu es avec moi. Quand Dieu visite, le feu doit descendre. Quand Dieu visite, la promesse doit s'accomplir. Quand Dieu visite, les signes doivent se manifester. Quand Dieu visite, les paralytiques doivent marcher. Oh my God. Je veux que quelqu'un prie, qui dit à Dieu, visite ma vie, visite ma maison. Alléluia, alléluia, alléluia. La visitation de Dieu est là. Le Dieu de la Bible est présent. Le Dieu de la Bible est au milieu de nous. Car il va nous faire du bien ce soir. Dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Le monde est en train de se moquer de moi. Le monde est en train de se moquer de moi. Mais Dieu, visite-moi. Vous savez quoi, bien-aimé? Paul et Silas, ils ont veillé. Ils étaient tellement maltraités. Alléluia, dans Actes 16, le monde se moquait d'eux. Le magicien se moquait d'eux. Même les geôliers se moquaient d'eux. Il les a jetés au-dedans de prison. Mais quand Dieu avait visité Paul et Silas, qu'est-ce qui était passé? Bien-aimé, lis la Bible pour comprendre la suite. Maintenant, nous allons dire à Dieu, Seigneur, 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 maintenant là, nous allons appeler Seigneur. Pourquoi j'ai dit que nous allons appeler Seigneur? Nous allons dire à Dieu, nous allons dire à Dieu, nous ne voulons pas tous les plans de l'ennemi. Nous allons annuler
tous les plans de l'ennemi. Dis à Dieu, annulez tous les plans de Amalek. Annulez tous les plans de Amalek. Annulez tous les plans de Balaam et de Balak. Tous les plans que Balaam et Balak sont en train de faire pour ta vie. Que Dieu annule cela. Aïe, 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 aïe. Que Dieu envoie même un cheval pour parler à tes adversaires. Annule, dis à Dieu, j'annule les plans de l'ennemi. Seigneur, lève-toi, hâte-toi du ciel pour annuler les plans de l'ennemi. Toutes les plans que c'est en train de faire, parce que Dieu t'a visité. Vous savez, quand Dieu visite, le plan du diable, ça doit être annulé. Maintenant, dis à Dieu, annule les plans de l'ennemi. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Dis à Dieu d'annuler les plans de l'ennemi. Dis à Dieu d'annuler les plans de l'ennemi. Tous les plans que l'ennemi a projetés contre ta famille pour cette année, contre ta maison pour cette année. Je sais pas quel est le plan de l'ennemi, mais je sais que l'ennemi vient toujours pour égorger, tuer et détruire. Et lui, son travail, c'est là, comme Jean 10 nous dit. Toi, comme un enfant de Dieu, dévance l'horreur avant que cela arrive. Le plan de l'ennemi, c'est toujours le plan des malheurs. Le plan de l'ennemi, c'est toujours le plan des contestations contre la destruction de notre vie. Je veux que quelqu'un prie qui dit à Dieu, j'annule le plan de sorcellerie de ma famille. J'annule le plan de sorcellerie de mène dans ma maison, dans la vie des enfants de Réma. Je annule le plan de l'ennemi dans la vie de tout le monde qui sont en train de prier moi en lune. J'annule le plan de l'ennemi dans la vie, de la santé de toutes les fidèles, de tous les enfants de Dieu qui sont en train de prier avec moi en lune sur Facebook. J'annule le plan de l'ennemi sur leur, dans leur famille. Bien-aimé, annule le plan de l'ennemi dans ta maison, dans ton travail. J'annule le plan de l'ennemi dans le travail des enfants de Dieu qui sont en train de prier avec moi en ligne. J'annule le plan de l'ennemi dans leur mariage. Tout ce que le diable est en train de provoquer pour détruire le mariage des enfants de Dieu, pour séparer les couples. J'annule ce plan de l'ennemi. Bien-aimé, annulez le plan de l'ennemi contre ta santé. Annulez le plan de l'ennemi contre ta famille. Annulez le plan de l'ennemi contre ton mari. Annulez le plan de l'ennemi. Il y a Dieu d'annuler toutes les agendas sataniques. Les agendas que le diable a plantés contre ta maison. My God. Annulez cela au nom de Jésus. Annulez tous les projets sataniques. Annulez tous les plans du diable. Annulez tous les plans sataniques. Le plan du diable. La Bible déclare. Le voleur vient suivant pour voler, détruire, égorger et tuer. C'est ça le plan de l'ennemi. Bien-aimé, ce plan, quand il s'assit, quand il nous regarde, il voit que nous vivons bien, nous mangeons bien, nous sommes en paix avec nos maris, nos femmes, nos enfants. Lui, il est en train toujours de chercher comment détruire cette couple, comment détruire cette famille, comment détruire cette maison. Nous aussi, nous n'allons pas lui laisser en paix. Détruisons le plan de l'ennemi. Dévançons l'horreur. Dévançons l'horreur. Allons, détruisons les plans de l'ennemi. Détruisez tous les plans de l'ennemi. Chaka batarabaseke protamazot komodorobo shinda mandarababa rebotorobosate. Annule le plan de l'ennemi. Annule le plan de l'ennemi. Toutes forces sataniques, toutes puissances de malice, toutes forces diaboliques qui est en train de chercher de détruire ta vie, de détruire ta maison, ton mariage et tes enfants. Détruisez-les au nom de Jésus. Annulez-les au nom de Jésus. Annulez le plan satanique. Prazata magadarabaseke rop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 
revêtu par la puissance. J'ai besoin d'être revêtu par la puissance et les vertus du roi. Raboseke mandara bashinde rebege. Ropatos komondoro goshinda mandara baskanta. Ribado sonto yamande rebeke te mandara baskonte. Ribado sondoro bokotoro boshinde bege derege. Demande les armures spirituelles. Dis à Dieu, j'ai besoin d'être revêtu des armures spirituelles. J'ai besoin des armures spirituelles. J'ai besoin des armures spirituelles. Prie au nom de Jésus. Remplis-moi. Demande la puissance du Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit de te remplir. 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 Demande la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Dis, cher Saint-Esprit, j'ai besoin d'être rempli. Prosoto yamagadarabaskanto. Rimande seke mandarabaskente mandorobosata. Dieu Saint-Esprit, j'ai besoin d'être rempli. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Dieu Saint-Esprit de te remplir. Prie au nom de Jésus bien-aimé. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Dis, cher Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. J'ai besoin d'être rempli. Plus du Saint-Esprit, rempli de la puissance et des vertus du roi. Prie au nom de Jésus. Ropoto soto yamandaraba shinderebege rapo soto yamakreta mandaraba rokoboseke yamandaraba shinderebege. Dieu Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Rekabada yabadaraba seke prosoto yogodorobo shinderebege. Dieu Saint-Esprit, de te remplir. Demande le. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare, ne touchez point à mes oints. Alléluia. La Bible déclare, ne touchez point à mes oints. Dis à Dieu, oins-moi. Oins-moi, soutiens-moi. Dis à Dieu de te oindre. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu de te oindre avec l'onction du Saint-Esprit. Dis à Dieu de te oindre. Bien aimé, quelqu'un qui est oint, il est intouchable. Quelqu'un qui est oint, il est intouchable. Je veux que quelqu'un prie, qui dit à Dieu de lui oindre. Dis à Dieu, oins-moi, 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 oins-moi. Quelqu'un qui est oint, il est intouchable. Quelqu'un qui est oint, il est intouchable. Le monde satanique ne peut pas le toucher parce que la Bible déclare, ne touchez point à mes oints. Bien aimé, personne ne peut te toucher. Ça sera comme un Ouza. Il a voulu toucher l'arche. Il n'était pas à la mesure de toucher l'arche. Il était frappé à la mort. Ah, ça sera la même sorcier qui est en train de combattre ta vie. Les sorciers qui veulent combattre ta maison. Les sorciers qui veulent combattre ton mariage. Ils doivent mourir s'ils cherchent de te toucher. Parce que tu es loin de Dieu. Parce que tu es loin de Dieu. Dis à Dieu, ouais-moi avec l'onction du Saint-Esprit. Que mes yeux brillent. Que mes adversaires n'arrivent pas à me regarder à la face. Que mes yeux brillent. Tout le monde qui ont des esprits sataniques, diaboliques, qui n'arrivent pas à supporter ta présence, même dans ta maison, même dans nos maisons, bien-aimés, nous arrivons de recevoir les agents sataniques dans nos maisons. Oh, bien-aimés, prie au nom de Jésus. Dis à Dieu que les agents sataniques n'arrivent pas à supporter ta présence. Que Dieu puisse te oindre avec l'huile fraîche du Saint-Esprit. Pendant que les adversaires vont venir te chercher, qu'ils te voient comme le feu, que tes yeux brûlent, que ta figure brûle, qu'ils n'arrivent pas à te supporter. Oh, que même quitte ta maison avant que tu les chasses. Alléluia. Robo satamaketo ripata mazat kamandere bo sataya mahanda rababashi ripato zoto yamahe robo bo 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 sekaya baba. Dieu Saint-Esprit de Dieu, je te oindrai. Oins-moi, Seigneur. Oins-moi, Seigneur. Oins-moi, Seigneur. Je veux que quelqu'un prie qui demande à Dieu de lui oindre. De lui oindre. Chakabada yadabaraba chende rebege. Ropata mazet kamandarabas kantoribadose. Demande à Dieu de nous oindre. Merci. Je crois que tu y es. Ouais, je crois, tu as reçu des vêtements spirituels. Maintenant, c'est l'heure d'aller. Nous sommes pas des chrétiens défensifs. Nous sommes des chrétiens offensifs. Nous allons aller attaquer le camp du diable. Maintenant, prends l'autorité, bien-aimé. Nous allons aller attaquer toutes les plantes que Dieu n'a pas plantées dans notre vie, dans nos mariages. Nous allons la déraciner maintenant par le nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Toutes les plantes que Dieu n'a pas plantées dans ta vie, toutes les plantes que Dieu n'a pas plantées dans ton mariage, toutes les plantes que Dieu n'a pas plantées dans ta maison, ça doit être déraciné à partir de maintenant. Ça doit être déraciné à partir de maintenant. Toutes les plantes que Dieu n'a pas plantées dans ta vie, toutes les plantes que Dieu n'a pas plantées dans ton mariage, ça doit être déraciné. Commence à déraciner les mauvaises plantes, les plantes de discussion, les plantes
des misentendements, les plantes des querelles, les plantes des choses qui ne semblent pas à la voix de Dieu dans ta maison. Toutes les plantes que le diable a plantées, a semées dans ta maison pour semer du désordre dans ta vie, dans ton foyer. Commence à déraciner cela. Commence à déraciner cela. Prie au nom de Jésus. Toutes les plantes sataniques, toutes les plantes sataniques, toutes les plantes sataniques, ce que le diable a planté contre ta maison, contre ta vie, contre tes enfants, commence à déraciner cela. Par le nom puissant de Jésus, je déracine toutes les plantes de sorcellerie que le diable a plantées dans mon église, toutes les plantes de discussion, toutes les plantes de misentendre que le diable a plantées dans ma maison, dans mon mariage, toutes les plantes que le diable a plantées dans ma famille, toutes les plantes que le diable a plantées dans la vie chrétienne et dans la vie des enfants de Dieu, toutes les plantes que le diable a plantées, commence à déraciner les plantes de retard, les plantes de retard. Tu n'arrives jamais à arriver à temps. Tu es toujours le dernier. Les autres peuvent faire et peuvent manger pour finir. Et toi, tu manges seulement ce que les autres laissent pour toi pour manger. Bien-aimé, toutes les plantes de retard, annulez cela. Annulez les plantes de retard. Toutes les plantes qui mettent ta vie toujours en arrière. Oh, les autres sont avancés. Mais toi, tu restes toujours le dernier. Annulez ces plantes-là. Les plantes sataniques de famille qui est en train de condamner le mariage. Annulez ces plantes-là. Les plantes de famille qui est en train d'amener la querelle dans le mariage. Annulez toutes les plantes-là. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Annulez les plantes sataniques. Annulez les plantes de la sorcellerie. Annulez les plantes sataniques. Tout ce que tu connais, la maladie que le diable a planté il y a longtemps dans ta vie. Annulez les plantes de maladie. Annulez ces plantes de maladie, les plantes de maladie, les plantes de blocage. Tu n'arrives pas à économiser l'argent. Dès que tu économises l'argent, il faut que des problèmes sortent. Annulez toutes ces plantes-là. Annulez toutes ces plantes-là. Par le nom puissant de Jésus. Annulez toutes ces plantes-là. Les plantes de la chômage, les plantes de la regret, les plantes de la solitude. Tu es marié, mais tu vis comme un célibataire. Pourquoi le mari ne te donne pas l'attention? Annule cela. Tu es marié il y a longtemps, mais tu vis toujours le mécontentement dans ton mariage. Ton mari aimait beaucoup de tricher. Annule cela. Le plan que le diable a planté dans ton mariage, ça fait maintenant 20 ans de mariage, mais le mariage n'arrivait pas à être stable parce que le diable vient toujours planter des choses. Annule tout cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Annule cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimés, nous allons détruire tout ce que le diable a mis comme caméra, tout ce que le diable a mis comme radar, tout ce que le diable a mis comme antenne parabolique pour capter ta vie. Le démon de filature, il est en train de s'ouvrir ta vie chaque jour. Toutes ces démons-là, nous allons les chasser. Chasser les démons de filature, chasser le nom de Jésus. Le démon de filature, toute antenne parabolique, tout esprit de contrôle qui est en train de contrôler ta vie, commence à détruire ces plantes, commence à détruire les antennes sataniques, les antennes du diable qui est en train de contrôler ta vie, commence à annuler cela, commence à détruire les antennes sataniques, les antennes diaboliques qui est en train de détruire ta vie. Chaque fois, ils cherchent ta vie, chaque fois, on te cherche, tu es aux États-Unis, ou tu es en Europe, ou tu es au Canada, ou tu es Cameroun, mais le diable ne veut pas cesser de continuer de chercher ta vie. Le diable veut toujours détruire ta vie. Bien-aimé, je veux que tu pries. Chassez l'esprit de contrôle, l'esprit de servitude. Chassez-le au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, maintenant, nous allons annuler toute. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Nous allons annuler toutes les répétitions de famille. Oh mon, la Bible dit, les parents en veulent manger la mangue. La mangue là, ça va détruire leurs dents. Ça ne viendra pas aux enfants. Ce qu'ils en veulent manger, c'était pour eux. Tu ne dois pas répéter la vie de tes pères.
Tu ne dois pas répéter la vie de ta mère. Tu ne dois pas répéter la vie du quartier. Maintenant, bien-aimé, prends l'autorité d'annuler toute la vie des répétitions. Tout ce que vais répéter dans ta vie. Et c'est quoi ça? Les choses vont toujours répéter pour ta vie, pour ta maison, pour ton mariage. Si ton père, il était polygame, tu commences à vivre les effets de polygamie. Bien-aimé, commence à annuler cela. Au nom puissant de Jésus, si dans ta famille, les gens ne marient pas, le mariage religieux, mariage coutumier, les gens s'arrêtent seulement à la prédote. Maintenant, toi, tu veux passer la prédote pour la dot et pour le mariage religieux civil. Maintenant, le diable est en train de te réclamer. Le diable veut secouer ta future. Bien-aimé, commence à annuler cela. Annuler cela. Dans ta famille, les gens ne voyagent pas. Si quelqu'un voyage, il doit retourner au pays. Ça sera difficile que la personne là puisse avoir le statut. Bien-aimé, annuler cela. Annuler tous les plans du diable. Annuler tous les plans de l'ennemi. Dans ta vie, dans ta maison, tout ce que le diable a voulu bloquer de toi, annuler cela. Prozatamake tamaroko sokoyamaga ripate mazat kamigode arahando siyamahe priabado seke mabrahanda satayaha rekabados kamabere bolo shinda marabaho brazot kamagerebe santa. Annuler cela, le plan du diable, le plan de l'ennemi, le plan de sorcellerie. Annuler cela, annuler cela par le nom puissant de Jésus. Maintenant, bien-aimé, tous obéle la kake. Nous allons invoquer le tonnerre. Que Dieu fasse descendre le tonnerre là où il y a nos ennemis, là où nos ennemis sont maintenant en train de faire leur réunion. Leur réunion, c'est contre ton nom, c'est contre le nom de tes familles, c'est contre le nom des membres de ta famille. Dis à Dieu, partout ils sont en train de citer ton nom à la malhonnête. Partout ils sont en train de citer ton nom aux mauvaises voix. Que le tonnerre commence maintenant à frapper le lieu là. Prie au nom de Jésus. Demande le tonnerre. Demande le tonnerre. Kake bête tabisika bazo tanga komo no mabe. Yesala na boutez ala na moi. Bandoki ba ki parate ko pumbwe ba pumbwa la ere nyoso. Moutou nyoso roya ko tanga kombo ya moi si nanga la dinga mabe. E kabo sa tabatara basanta brota mare kabadi kado soto yoko torobo seke. Pratatatatata shikabaka yabaha. Moutou nyoso. Tout le monde qui est en train de parler des choses mauvaises pour les enfants de l'église de Réma. Tout le monde qui est en train de parler le mal dans la vie des hommes et femmes qui sont en train de prier avec moi en ligne. Que le feu de Dieu et que le tonnerre frappe à leur camp. Et que le tonnerre frappe à leur camp. Et que le tonnerre frappe à leur camp. Chakabada yabada rekabados kamabrigados Tayaga, Ekabado Seke, Prozotokoyoko, Ribade, le tonnerre, Kakebeta, Moutounios a donc salé l'homme à plein, Moutounios a donc salé l'homme à idée, ou Balobiazo Ling et la boule. Tout le monde qui est en train de parler mal de toi, de réunions, que ce soit au travail, partout, Ricardo Satayakaba, que le tonnerre s'enflamme, que le tonnerre frappe. My God, Prazotayabaga. Bien-aimé, maintenant, nous allons aller proclamer la victoire dans notre vie. Proclame la victoire dans ta vie. Proclame la victoire dans ta maison. Proclame la victoire dans ton mariage. La Bible déclare. La vie et la mort sont sous le pouvoir de la langue. Je veux que quelqu'un qui commence maintenant à prophétiser pour sa vie, proclame la victoire. Proclame la victoire. Pendant que tu es en train de proclamer la victoire, tu es en train d'acclamer. Pendant que tu es en train de proclamer la victoire, acclame là où tu es. Acclame. Pendant que tu es en train de proclamer la victoire, acclame. Maintenant, commence à prophétiser. Bandako sakapo na vinayo. Commence à prophétiser pour ta vie. Les choses que tu es en train de parler, ce sont des choses qui vont arriver. Commence à proclamer la victoire. Proclame la victoire dans ton travail, dans ta maison. Proclame la victoire dans ton ministère. Proclame la victoire dans ton ministère. Proclame la victoire
Je proclame la victoire dans l'église Rema, dans la vie de toutes les fidèles. Je proclame la victoire dans la vie de tout le monde qui est en train de prier avec moi en ligne. Toutes les hommes et les femmes et bulldozers, je proclame la victoire dans leur vie. Je proclame la victoire dans la vie des bulldozers. Je proclame la victoire dans la vie des bulldozers. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire dans mon travail. Je proclame la victoire dans la santé de ma femme. Je proclame la victoire dans la vie de mes enfants. Je proclame la victoire. Proclame la victoire dans ta santé. Proclame la victoire sur ta santé. Proclame la victoire sur ta santé. Peu importe la maladie que tu avais. Je te dis maintenant, Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de te guérir. Tu étais malade. Dieu est en train de te guérir. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Ripato zatamakreto. Ribado seke yamaga. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Peu importe les problèmes. Peu importe les situations. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Rabo Sakayamaga, le Dieu de la Bible. Je veux quelqu'un qui dit à Dieu merci. Dis à Dieu merci et prends le temps de dire à Dieu, tu es le pilier qui soutient ma vie. Bien-aimé, je nous donne quelques minutes pour prier. Le Saint-Esprit me demande que nous prions maintenant nos requêtes. Dis à Dieu ce que tu veux. 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 Prends quelques minutes maintenant. Dis à Dieu, tu es le pilier qui soutient ma vie. Dis à Dieu, tu es le pilier qui soutient ma vie. Demande à Dieu ce que tu veux. Demande à Dieu ce que tu veux. Merci Saint-Esprit. Demande à Dieu ce que tu veux. Rabo Sakamakada Rabaskata. Demande à Dieu ce que tu veux. Il y a Dieu, tu es le pilier qui soutient ma vie. Il y a Dieu, tu es le pilier. Au milieu de mes faiblesses, celui que j'aime plus que tout. Dis à Dieu, tu es le pilier. Dis à Dieu, tu es le pilier. Prends quelques minutes, prie. Demande à Dieu ce que tu veux. 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 Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu fasse toi? Tu es ma force. Rose autre mandat à passer. Demande à Dieu ce que tu veux. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Parle avec ton Dieu, 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 parle avec ton Dieu. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. C'est le moment où nous devons parler avec Dieu. C'est le moment où nous devons parler avec Dieu. Prête à Mandorobo. Ribade seke, shenda mandaraba ge, rozoto mandaraba. Je veux que quelqu'un qui ouvre son cœur parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Ouvre ton cœur. Parle avec Dieu. Dieu est en train de t'écouter. Dieu est en train de t'écouter. Dieu est en train de t'écouter. My God, Dieu est en train de t'écouter. Yes, Dieu est en train de t'écouter. Dieu est en train de t'écouter. Ribade se. Rosato, Beta Mahé Narabasata. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci. Maintenant, bien-aimé, dis à Dieu merci. La Bible déclare, pendant que vous prierez à mon nom, tout ce que vous allez demander, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Je veux que tu dis à Dieu merci parce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a donné. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci parce que Dieu t'a donné. Merci. 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 Alléluia.
Merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Pendant quelques minutes que nous venons de passer dans ta présence, je te bénis, je t'exalte, je te célèbre parce que tu es Dieu. En toi, nous avons tout. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Bénis tout le monde qu'on a pris avec en ligne. Que leur vie soit bénie, qu'ils soient des catalyseurs. Mon Dieu, qu'ils effraient des chemins là où il n'y a pas de chemin. Visite la vie de tes enfants par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, faites-nous du bien. Nous ne nous oublierons pas ce jour d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, il y a plusieurs qui vont dormir. Il y a plusieurs aussi qui sont réveillés. Que ta main puissante nous protège. Au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, nous prions comme un seul peuple. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour notre programme de Bidozer. Ce programme a besoin de votre soutien. Ce programme a besoin de votre soutien. C'est vous qui allez partager avec les amis que nous prions à 0h. Informe les amis, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prière. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prière. Partagez, invitez les amis, invitez les frères, les gens qui ont des problèmes de santé, invitez-le, dis-leur que nous sommes en train de prier pour tous les cas. Et je suis en train déjà de recevoir les crickets. Si tu as des problèmes, envoie-moi le message. Je vais te répondre et je vais voir comment on va s'arranger pour prier. Comme je suis en train de prier avec quelqu'un de Cameroun. Et il y a une sœur de Cameroun qui prie avec nous. Elle était vraiment malade. Et on a prié, Dieu l'a guérie. Donc je t'en prie, toi qui es en train de me suivre, et passez l'information, dis aux amis que nous sommes là pour prier. Rien que pour la prière, Maombi ne tombera jamais. Que Dieu vous bénisse et demain nous allons se rencontrer à la même heure, à minuit, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci, merci, la paix du Seigneur. Oh 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 ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier, ma vie. Oh Jésus, tu y es. Précieux pour moi, précieux pour moi. Jésus, Jésus, Jésus. Je m'approche devant ta face, le cœur rempli d'amour pour toi. Si je vis, ce n'est que par ta grâce et ton grand amour pour moi. Je n'oublierai pas ce que tu y as fait, bien avant que je ne te connaisse. Tes yeux d'amour me regardaient et conduisait chacun de mes pas. Plusieurs fois tu m'as protégé et m'as épargné du danger. Que puis-je te donner en retour, Yahweh? Oh Seigneur Jésus, je ne me glorifierai qu'en toi. Le pilier qui soutient ma vie, ma force au milieu de mes faiblesses.
celui que j'aime plus que tout. Je ne me glorifierai qu'en toi, le pilier qui soutient ma vie, ma force au milieu de mes faiblesses. Hey, celui que j'aime plus que tout, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Oh oui, tu es ma force, Jesus. Oh, 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 que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi?